Bon les potes, avant de commencer la vidéo, les gars je compte sur vous, n'hésitez pas à mettre mon code créateur dans la boutique. Du coup vous allez dans boutique d'objets et vous cliquez sur soutenir un créateur et vous mettez le code FULLBOSS les potes, ça ferait trop plaisir. Donc vous mettez en minuscule ou en majuscule et vous cliquez sur accepter et c'est bon. Vous avez mis mon code, ça fait trop plaisir. Merci à ceux qui mettront le code et dites-moi sur les deux vidéos sur Fortnite et je vous souhaite un très bon visionnage. Yo les gens sur FULLBOSS, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les potes, nouvelle vidéo Minecraft. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo sur Five Nights at Freddy's. On va rentrer dans leur base secrète, ça va être incroyable. Donc mon pote, j'espère qu'à la fin de la vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me ferait super plaisir. Les potes, je sais, ça fait... Wow, et ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Je crois que c'est la première vidéo de l'année, non? Je sais plus. Franchement, les potes, je sais plus parce que le temps passe trop vite, en fait. Le temps passe trop vite. Et là, je suis de retour pour vous faire une nouvelle vidéo. Donc profitez, FULLBOSS est présent, donc profitez. On sait pas combien de temps ça va durer. En plus, dans la dernière vidéo, vous avez... En vrai, elle avait pas mal de vues dans la vidéo, donc je suis assez content. Donc, je sais que vous êtes toujours là. Donc, dites-moi quel genre de vidéo vous voulez que je vous fasse. Voilà, dans les commentaires, vous me dites tout de suite. On veut telle vidéo, voilà, pour la prochaine. Vous me dites les débats secrets, des trolls, des RP, des... Voilà, ce que vous voulez. Et sur quel jeu aussi, n'hésitez pas à me dire sous les lives, tout ça. Et ben en tout cas, à vous de me dire, les potes. Donc, c'est parti. Alors, donc, bienvenue sur la map Five Nights at Freddy's. Donc c'est une map en bêta, voilà, donc il y aura plein de mises à jour, voilà, et bref, Five Nights at Freddy's 3, ok, on n'a pas trop d'indications, alors comment ça marche, je ne sais pas, mon ami, là je suis dans un genre de, ah, il y a un bouton, ah, Five Nights at Freddy's 3, ok, c'est parti, donc là, attendez, je vais vérifier s'il y a du son dans la map, parce que, avec du son, ce sera mieux, ouais, il y a du son en vrai, ouais, il y a grave du son quand même, je pense qu'on a grave du son, donc, à mon avis, on risque d'avoir des screamers. Donc voilà. Alors je sais plus qui est qui. Donc lui, je crois que c'est Freddy, si je dis pas de bêtises. Lui, je ne sais plus comment il s'appelle. En tout cas, n'hésitez pas à me dire tous les prénoms des animatronics. Ceux qui connaissent. Voilà, parce que je sais qu'il y en a, ils sont... Je sais qu'il y en a, ils sont chauds. Oh, regardez, le sol, il brille. Ok. Bon, on va avancer par là. Oh oh, j'espère que... Oula, là-bas, j'ai pas trop confiance, hein. Alors là, franchement, là-bas, j'ai vraiment pas confiance. Donc, on va peut-être pas y aller. Ah, ok. Donc, ça, c'est peut-être la salle de contrôle. Ah, ça, c'est la salle avec les caméras et tout. Ok. D'accord. Super. Là, on a un bouton. Un bouton qui ne sert à rien, frérot. D'accord. Ok. Donc, on va avancer par là. Ok. Donc, pour le moment, ça va. Franchement, il n'y a pas... Il n'y a pas de dinguerie pour le moment. Ça fait pas trop peur. Ah, mais attendez. Mais lui, c'est pas un... Alors, je sais pas si c'est de la déco ou si c'est... ou si c'est le monstre. Et que je dois le... Oula, lui, mon pote, il est bizarre. Hein. Oula, alors lui, attends. Attends, je vais pas aller là-bas, j'ai pas confiance, là. Attends, je le sens pas, cette histoire, là. Oh, attends. Attends, mais ça, c'est un monstre ou c'est... Oula. J'ai pas trop confiance, là, franchement. Donc, je vais pas aller par là. C'est quoi, je vais aller le laisser tout seul, lui, là-haut, il est bizarre, hein. Lui, il est chelou. Ok. Là, qu'est-ce qu'on a? On a une genre de... Oula, il y a des rideaux qui sont cassés. Bizarre, ok. Bizarre, on va aller par là. Pour le moment, ça va. Oh, lui, je le connais, lui, le jeune. Je vois qui c'est. Ok. Donc là, par là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, il y a un bug. Oh, les potes, il y a quelqu'un. Ok, on peut passer en dessous ou pas? On peut pas passer en dessous? Non, on ne peut pas. Oula, ouah, c'est qui celui-là? Alors lui, je le connais pas du tout, mais il m'inspire pas confiance. Gentil, hein. Ouah, me saute pas dessus, s'il te plaît, frérot. Ok. Oh, j'ai cru qu'il allait... Je pensais qu'il allait me sauter dessus. Ok, donc ça va, on a pas eu de screamer pour le moment. Mais franchement, je pense que là, à tout moment... Dites-moi en tout cas si vous avez peur. Ok, donc là, on a des lumières. On a une porte de sortie. Ok, qu'est-ce qu'on a par ici? Une genre de... Je sais pas, c'est une petite salle. Ok, donc là, il y a deux petites portes. On peut aller par là? On peut pas aller par là? Ah, si! Ah, mais on est dehors, là, en fait! Ok, donc là, on est dehors. Apparemment, on est dehors. Et qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut se tailler? Je crois pas qu'on peut se tailler. Hein. Je ne sais pas ce que je dois faire dehors. Alors là, les potes, je crois que c'est fermé. Hein. Il y a peut-être un truc... Ah, attendez! Ah! Il y a une porte, là, j'avais pas vu. Ok, non, là, il n'y a rien. Il y a peut-être des panneaux. Tickets. Ah, ok, ça, en fait, c'est... En fait, on est à l'entrée, là. On est à l'entrée de la pizzeria, apparemment. Ok.
Ok, donc ça c'est le guichet. Donc là on a le guichet. Ok, donc on va re-rentrer par là. Bon, c'est peut-être pas par là qu'il fallait aller. Alors là, franchement, je sais pas trop. Ah, mais en fait, il faut que je cherche des portes comme ça, à vrai dire. Ok, je crois que j'ai capté un peu. Il faut que je trouve que des portes comme ça qui permettent d'aller de pied. Waouh, oh. Ok, ça c'était un. Oh. Oh, j'avais pas vu ça. Oh, je crois qu'on a trouvé quelque chose d'intéressant. Ok, donc là on est dans les conduits. On est dans les conduits d'aération. Ok, let's go. Là, il y a une petite caméra qui m'observe. Assez chelou. Dis donc, il y a une caméra. Ok. Ouah, j'ai pas confiance. Oh, les potes, j'ai pas confiance. Wesh. On est où là? Ah, on est dans la cuisine. En fait, je sais. En fait, le truc, c'est que depuis tout à l'heure, on voit pas de. Je pense pas avoir vu de Freddy ou de. Je sais plus comment ils s'appellent les autres, mais. Oula. J'ai entendu un bruit très chelou là. J'ai entendu un bruit très 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 chelou. Ok. Il n'y a pas d'autre chose ailleurs? Oh là, il y a un autre conduit. À mon avis, on peut aller à l'intérieur. Mais comment, je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Ok. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'était la porte d'entrée, d'accord. Ok. Ok, là, il y a encore des conduits. Ah, alors, attendez, là, on peut aller par là, peut-être. Ah, super. Ok, donc on peut aller par ici. Qu'est-ce qu'on a par là? On va peut-être découvrir une nouvelle salle. Ok, c'est des caméras, c'est des caméras. Ok, pour le moment, c'est que des caméras. Ok. En tout cas, si vous voyez quelque chose, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, les potes. Si vous voyez un monstre ou quelque chose comme ça. Ok. Là, on a un autre bouton, mais je pense que lui, on l'avait déjà trouvé. Là, c'est la. Ok. Donc là, on peut. Ah, mais. Ok, donc ça, c'est la cuisine. Là, il y a des bornes d'arcade. Ok. Avec tous les. Je sais pas trop ce qu'il faut faire là. Avec tous les animatronics. Ok. Ok, d'accord. Donc là, pour le moment, ça va. Ok, donc. Ah, attendez, je suis encore dans un conduit là. Ah. Il y a peut-être une sortie, je ne sais pas. Attendez, je vais mettre l'armure au cas où. On sait jamais. Oh, wesh. Je suis flippé un peu là. Bon, moi là, si y a un monstre, c'est lui qui va flipper, tu vois. Ça va être le petit avantage. Ah, donc je peux pas revenir par là. Ok, donc je peux pas revenir par là. Ou peut-être que c'est tout simplement dehors qu'il faut aller, hein. C'est peut-être simplement dehors. Ben, vous savez quoi? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dehors. On va essayer d'éviter les monstres. Il est toujours là, lui, ou pas? Ah, il a pas bougé. Ça me va. Oh. Il y a des lingots de fer dedans. Je sais pas à quoi ça sert. À mon avis, il doit avoir quelque chose à créer, non? Ou à. Il y a peut-être quelque chose à assembler quelque part. Attendez, là-dedans, on peut pas. Ah, ouais, je sais pas comment ça marche tout ça. Hein. Au fourneau, là, j'ai eu du charbon. Ok. Par là, il y a quoi? Là, c'est encore les conduits. Là, c'est la porte de sortie. Bah, au pire, on a qu'à se tailler, écoutez. Écoutez, c'est peut-être dehors qu'il faut aller. Hein. Là, il y a encore deux autres bornes. Ok. Donc là, les sorties. Là, on a un autre conduit. Ok, donc là, on n'a rien de spécial. Ok, bon. Bah écoutez, ah, peut-être qu'on peut aller dans la forêt, hein. Attendez, on va essayer de fouiller un peu dans la forêt ce qu'il y a. Parce que sinon, je pense que c'est un. On a réussi à éviter les screamers, t'es en train de me dire là? T'es en train de me dire que j'ai réussi à esquiver tous les. Apparemment, les potes, j'aurais esquivé tous les. Bah, tous les monstres. Parce que du coup, j'en ai même pas eu un seul. Je rigole, je m'en tape un à la fin. Ce serait assez drôle quand même. Et pour le moment, franchement. Ah, par contre, j'ai plus de barre de bouffe. Et bah écoutez les potes, on a esquivé tous les monstres et j'ai réussi à m'échapper. En plus j'ai pu récupérer plein de lingots de fer, regardez. Donc en vrai, c'est pas des diamants non plus, mais c'est déjà pas mal. On va regarder là-bas s'il n'y a pas quelque chose. Parce que là en fait il y a. Bah, ah, oula! Il y a des murs invisibles. On peut pas passer par. Ah si, on peut passer par là. Ah, mais je ne peux plus revenir. Ah, mince! Je suis complètement bloqué. Attendez, peut-être que je peux. Ah bah non. Bon bah écoutez les potes, on va se laisser là pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. On n'est pas tombé sur les monstres étant donné que. Bah, je pense que j'ai bien géré, c'est-à-dire que j'ai réussi à les esquiver grâce au petit conduit je pense. Et puis voilà les potes, mettez un maximum de likes, abonnez-vous à la chaîne. Et puis voilà, c'est Foot Boss. Allez, ciao ciao.
Bon les potes, avant de commencer la vidéo, les gars, je compte sur vous, n'hésitez pas à mettre mon code créateur dans la boutique. Du coup, vous allez dans boutique d'objets et vous cliquez sur soutenir un créateur et vous mettez le code FULLBOSS les potes, ça ferait trop plaisir. Donc vous mettez en minuscule ou en majuscule et vous cliquez sur accepter et c'est bon. Vous avez mis mon code, ça fait trop plaisir. Merci à ceux qui mettront le code et dites-moi sur les deux vidéos sur Fortnite et je vous souhaite un très bon visionnage.